Bonsoir YouTube et bienvenue sur Resident Evil 1 remasterisé en version 4K du cul sur PC. Ils ont pas dit Resident Evil ? Resident Evil ? On va voir si le son est trop fort, etc. Hop. YouTube, on est en train de parler de la banque et des prêts et de péter un câble. Resident Evil. C'est bon, il le dit. Il l'a dit. Affichage large original. Large. Commande moderne. Plus moderne. Original. Non, moderne. Sous-titre. Bah oui. Sinon, on va rien caler. Alors, quel est votre style de jeu ? Old school, gamer ou vous jouez pour le plaisir ? Je joue pour le plaisir en soi, mais je suis gamer. Approuve. Oh. Alors, on a choix entre Chris Redfield, Jill Valentine ou Jill Valentine. C'est bizarre qu'il nous donne... C'est les skins dans le 5 ? Non, c'est... Si, c'est dans le 5, ça, je crois. C'est peut-être dans le 6, hein. On joue Jill ? Je la préfère vachement là que là. C'est vrai, j'ai jamais dû saluer les casuals, ouais. On joue Gilles. Allez, Gilles. Gilles Valentine. BSA, c'est le 5. Mais dans le 6 aussi, là. Juillet 98, forêt de Raccoon. Mais attends, c'est pas du Gilles qui parle. We are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Putain, c'est la meuf de L'amour est dans le pré. Je savais pas qu'il y avait une carrière à Raccoon City. Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Un ascenseur. Il n'y a rien dans cet ascenseur. Bravo team's helicopter was a derelict. Putain, leur ascenseur est tout cassé. Save for the remaining body of Kevin. Oh, ils ont tué Kevin. Oh mon dieu, ils lui ont griffé l'œil. J'ai cru qu'il avait tiré dessus. Putain, il est paniqué pour R. We continue le meilleur our search for the other Albert members. Albert, c'est le gentil. A nightmare. Nightmare creature. C'est le titre du film, je crois. Putain, t'imagines, on jouerait au jeu comme ça, là. En vrai, tu fais toute l'intro et tout en jeu vraiment joué, ça serait incre. Je comprends pas leurs épaulières. Enfin, ses épaulières à elles. Oh, putain. Eh, on dirait un peu Wedge. Ou Biggs, je sais plus, dans Final Fantasy VII. Non ? J'espère qu'il y aura pas un chien, ça me fait peur, les chiens. Oh mince, c'est un chien. Il a l'air très peu efficace. Qui tire ? Mais Gilles. Putain, les Doberman, quoi. Gilles, part. Gilles. Ils vont te voir. Tu as l'odeur d'un sandwich, Gilles. Gilles, non. Gilles! Sauvé par. Come on! Par Chris. C'est les chiens de Monsieur Burns que j'ai critiqué les. Merde. Pourquoi ils ont des épaulières? Hey! Brad! Putain, Brad! Merci, Scudam! Oh putain, ce slow motion. C'est Barry ? Ah non, c'est Albert. Albert, le meilleur. On n'a pas encore vu... Ah si, Barry, le meilleur, Barry. Barry, le best. Barry, le meilleur best. Barry, le... Barry. Putain, et on court vite quand même. Parce que des chiens, je pense, ça court alors... Largement 40 km/h, je pense.
Tenter de survivre dans un monde d'épouvante. There are only three stars members left now. Captain Wesker, Barry and myself. Bah, et, we don't know where Chris is. Ah mince. Désolé. Je suis désolé. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Ah bah oui, oui. Hey Wesker, where's Chris? Jill, no. Jill, you don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Un coup de feu, je pense. No. Non, c'était un coup de feu. Jill, ça peut pas être Chris. Chris ne parle pas en faisant... I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Par sécurité, cette area, tu veux dire que t'es un traître? Pourquoi on a des épaulières pareilles? On a un petit béret, il est adorable. Alors, j'ai amélioré les graphismes, les gens. Avec un poche. A dining room. Nous sommes dans le jeu. Inkribun. On prend le Inkribun. Ok. Ah, on peut sauvegarder. Mais on va d'abord avancer un peu pour sauvegarder quand il faudra. Une grande jarre sale. Merci Gilles. Mais en vrai, merci Gilles. What is it? Du feu. Ah non, du sang. Blood. Tu l'as goûté, Barry, mais c'est dégueulasse. Yo. Tu as chopé le ténia. Find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Ah oui. J'ai trouvé une jarre sale. Papa, papa, j'ai trouvé une jarre sale, papa. What? Emblème. Attendez, de où il me faut une emblème? Attendez. Attendez, parce que je viens de faire une bêtise. Excusez-moi, je corrige ma bêtise. Excusez-moi. Voilà. On n'a pas besoin de l'emblème, hein, je crois pas. Hein. Bon, bah j'espère qu'on va pas tomber sur des méchantes bêtes. Allons par là. Ah. Quand j'étais petit, cette scène m'a traumatisé. C'est vraiment un de mes premiers traumatismes. Incroyable. Barry. What is it? Look out, Barry, it's a monster. C'est un monstre, c'est pas un monstre, c'est juste quelqu'un qui est un peu. Let me take care of it. C'est juste une vieille personne. Prends ça dans la retraite. Barry. Brûle-le, Barry, je ne sais pas pourquoi, il pourrait avoir une tête rouge. I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. On sait pas si y a Kenneth. Il saigne pas. Hein. On va revenir, il y aura qu'une flaque de sang. Barry! Barry! Je vais te déplacer jusque là-bas, j'ai peur. Viens avec moi, Barry. Viens avec moi, papa. Toi, tu me suis ou pas? Ah, mais tu me suis en fait. Désolé. On va aller dans le hall. Hein. Mais du coup, ils savent claquer les portes. Ça va le son? Wesker! Wesker! Jill, alors, je rappelle que le jeu a. Let's not leave this hall. Il a 15 ans, un truc comme ça, hein, le jeu. Au moins. Hein. Peut-être plus encore. Le remake, hein, j'entends. Donc il faut qu'on aille derrière là-bas, si je me souviens bien. Je crois qu'il y a un cadeau. Ou juste ça. Il faut d'abord inspecter le hall. Bah nique ta mère. Barry. Il faut juste aller chercher là. No, nothing. Mince. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Mais on est au début de Dragon's Dogma 2 en fait. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. D'accord, Daddy. Okay then, I'll try the door on the other side.
This mansion is gigantic. We could easily get lost. 2002, voilà. Let's start from the first floor. Okay. Oh, I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Comment t'avais ça dans la main, Barry? Thanks. I may need it. Listen. Bah, c'est même plutôt sûr. Something en fait. Happens. Let's meet up in this hall. Got it? Okay. D'accord, Barry Chou. Normalement, tu peux ouvrir la porte d'entrée. Alors oui, et mourir. Merci. C'est le bordel ici. Hein. Des portraits, des photographies en les murs. Ils sont si réalistes qu'on s'attendrait à les voir prendre vie d'un moment à l'autre. C'est pas le même jeu, ça c'est Call of Toulouse. Femme puisant de l'eau. Ah oui, d'accord. J'avais vraiment pas compris ce qu'on voyait. Il nous faut ça. Attendez, on peut peut-être l'ouvrir avant. Je peux pas pousser ça. Une représentation sinistre du manoir. Ok. Allons au fond de ce couloir, j'espère que rien ne se passera de terrible. Prendre poignard. Oui. Si vous utilisez des objets de défense tels que les poignards, vous pouvez vous échapper momentanément lorsque l'ennemi vous saisit. Attention, vous ne pourrez pas vous échapper si l'ennemi vous attrape par derrière. Pour vous équiper... Et LB, ok, d'accord. C'est bon, je l'ai. Très bien. Alors, attendez, je sais plus comment on tire. Comme ça, je pense. Ok, très bien. J'ai peur. Cette scène est tellement bien. Oh, fat chocu ! Putain, elle tombe. Ça me fait peur, je sais pas. Oh, fuck. Attendez, je sais plus comment on fait pour utiliser le couteau. Non ! Ah, j'essaye de... Il faut que je me réhabitue au contrôle, les gens. Non, mais c'est mort. Je suis nu à chier. Je me rappelle plus du tout des contrôles par rapport à la touche d'Evade. Je me rappelle plus comment on fait. Ah mais je pense qu'il faut juste faire ça. Non, c'est pas grave. Non, je suis pas mort. Mais du coup, comment il est passé? Et comment on pousse ça? Je sais pas comment on fait pour pousser ça, les gens. Ah, d'accord, ok, on reste appuyé. Ok, d'accord. Non, c'est juste... C'était pas clair. Parce que je crois pas que ça soit un virus qui se transmette, Mamax de Tunsi. Enfin, pas tout... Manoir F. Oui, on prend la carte. C'est bon. Vous avez pris la carte. Impec. Et je crois que là, c'est fermé. Voilà. L'emblème d'une épée gravée, ça. Impec. Il y a une vieille photographie dans un cadre. Peut-être c'était une personne qui avait un rapport avec quelconque avec le manoir. Peut-être. Je vais peut-être sauvegarder avant de faire des bêtises.
Une vieille machine à écrire. Voulez-vous sauvegarder votre... What? Ah mais j'ai déjà... Oui, c'est parce que j'ai fini le jeu en fait. Oui, ça doit être mes sauvegardes d'il y a 30 ans. Ah. Alors, le jeu vient de crasher. Faut pas sauvegarder, je pense. On va voir. Au pire, c'est tout, on fait une run où à chaque fois que je sauvegarde, ça plante. Ça arrive, hein. Oh, c'est bon. Ça marchait. Je crois. Vous ne m'aurez peut-être pas de peur, mais... C'est très bizarre comme... Ok. Le son est vraiment bien. J'avais oublié à quel point c'était cool. Je me rappelle pas du tout de cette zone. Quelqu'un se rappelle? La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Une pierre tombale décrépite. Elle ne porte ni nom ni inscription. Je connais le jeu par cœur, c'est sûr. Je ne sais absolument pas où on est, mais... Attendez, je ne sais vraiment pas où on est. Bah non, on va pas prendre les munitions de fusil. Ça m'inquiète ces angles. Au secours! Une tombe avec un ange, il y a une cavité en forme de pointe de flèche. Ok, je me rappelle pas de cette zone. J'espère juste qu'il n'y a pas un vieux chien qui va m'attaquer au dernier moment, mais... Il y a des bruits d'insectes un peu stressants. Ok. C'est verrouillé. L'emblème d'une épée est gravé, ça c'est... Ok. 3v1. C'est bon, on a récupéré un autre poignard. S'il m'attaque, on peut se défendre. Oui, bah ça va. Porte est verrouillée. C'est verrouillé, l'emblème d'une épée gravée, ça, ok. Un vitrail, le motif au centre semble représenter une femme. Attendez, il est où? Enfin, vous savez que je viens de me rappeler que le jeu qu'on avait fait là avait la même énigme. Vous vous rappelez? Inishu Onishba mais Onishibu. Inishu en moi. Merci Grognard. Ok. Le reste est verrouillé, hein, ouais, c'est bon. J'aime bien les bruits de zombies, vous préférez quoi? Ceux-là ou ceux de Minecraft? C'est quoi votre bruit de zombie préféré? Ceux-là, ils sont vraiment bien. Zomboïde. Joyeux bleu. Ok.
Il y a l'emblème aussi. Minecraft, c'est cool. Hein. Ça va, Kenneth? Kenneth? Le corps de votre camarade, Kenneth. Il a l'air d'avoir quelque chose dans la main. C'est la cassette qui appartenait à Kenneth. Il me faudrait un magnétoscope pour la visionner. Ok, bah on vole ta cassette. Cool. Oh non, il y a un zombie. Ça m'a fait peur. Je sais, excusez-moi, je cherche la map. Ok. Je ne sais absolument... J'ai toujours pas tiré de balle, ça me fait extrêmement peur. Ah, mais c'est cet endroit-là. What? Munition pour pistolet. Oui, oui, bah oui. On sait tous ce qui va se passer, non? Ça grince, hein. Putain, c'est ouf parce que je me rappelle pas... Ah non, c'est pas ces escaliers-là, c'est... Non, non, ceux que j'imagine, les escaliers que j'imagine, ils sont autre part. Je sais pas où, mais pas là. Ok, donc il y a littéralement un escalier... Il y a un putain de zombie à mes pieds. Attendez, on va. Putain, je suis trop près, je suis trop près. Ah! C'est bien ce que je pensais. On peut pas vraiment viser en fait dans ce jeu de merde. Il est vraiment mort? Il est vraiment mort. C'est pas confiance du tout, hein. Au secours. Il faut que je me soigne. Parce que sinon... Non, c'est bon. Ok. On peut passer par là. Ok, donc ça c'est la Sam... Ah putain, je suis très con d'avoir fait ça. Là c'est verrouillé. Ouais. Oh, vous avez vu ça? On voit l'objet qui brille. Prendre flèche dorée, oui. Attendez, vous pensez que c'est la flèche qui est dans le jardin? Et des munitions pour pistolet, ouais. J'ai aucune idée d'où je suis. Je crois que tout est verrouillé, là. Oh ! Où est-ce qu'on est ? Ah d'accord, ok, je vois où on est. Vous avez touché le caca de bouche avec votre fissage. Merci beaucoup, Tre. Hello, bonsoir. C'est ce soir le remaster du remaster du remaster du remaster. Tout à fait, on est sur le remaster. 95, coucou. Ok, on va mettre l'ange. Mais en vrai, ce manoir m'a l'air plutôt safe, malgré tout.
On s'est fait agresser plusieurs fois, mais en dehors de ça. Ah oui, c'est vrai que c'est ce genre de jeu où il faut faire. Ça ne rentre pas. Il faut peut-être juste l'observer et... Vous savez, c'est... On dirait qu'on peut retirer la pointe de la flèche. Voilà. C'est en péridot, aussi appelé l'émeraude du pauvre. Merci. Les loups m'inquiètent. J'ai vraiment confiance. Je sens que ça va bien se passer. Une statue de pierre avec des trous à la place des yeux. Une statue de pierre avec des trous à la place des yeux, du nez et de la bouche. Une statue de pierre avec un trou à la place du nez. Putain, c'est ma statue. Une statue de pierre avec un trou à la place de la bouche. C'est pas là qu'il y a Lisa ? C'est là qu'elle est. Un livre est placé dans la cavité de l'hôtel de pierre. Bah oui, on va le prendre. Next World, prendre grimoire. Bah ouais. Ça va se... Grimoire. Il est intitulé Grimoire. C'est clairement marqué Writing of the Next World, mais ok. Oh! Il y a une clé aux deux livres. Oui. Vous avez récupéré clé du manoir. On peut l'ouvrir maintenant? Oh! On va apprendre plein de choses. Grimoire, les quatre masques. Un masque qui ne parle pas du mal, un masque qui ne sent pas le mal, un masque qui ne voit pas le mal, un masque incapable de parler, sentir ou voir le mal. Lorsque les quatre masques seront à leur place, le mal s'éveillera. Est-ce qu'on veut le faire du coup? Est-ce qu'on veut faire ça? Rien d'inhabituel. Ben si, il y a la... Tu vois pas qu'il y a un truc là? Losange, tu vas pas dire qu'il y a une losange? Ah voilà, l'épée. La clé de l'épée. Bon bah on a tout hein. J'ai très envie de prendre le truc de shotgun, mais je pense vraiment pas que je puisse le porter. On n'a pas de coffre. Je m'en rappelle plus. Je vais être un meilleur médecin. Yes. Vous vous rappelez, ici il y avait une clé. Une porte en forme de clé là. Ici là. Bam, la clé de l'épée. C'est comme... La baie de l'épée, voilà, putain, j'ai eu du mal. Est-ce qu'il y a un zombie? Monsieur? Vous avez remarqué que c'est que des zombies d'hommes? Diverses sculptures et poteries. Alors, il y a un pot. Oh, non. Je sais très bien ce qu'il y a ici, c'est pas des zombies. Putain de ta mère. L'animation s'est arrêtée, je vous jure, ça m'a fait trop peur. Elder Decane, t'as pas le droit de faire ça, putain. J'ai peur. Je sais plus où je suis. Oh putain de ta mère! Bande de petits bâtards.
Non, 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 c'est bon. Vous avez utilisé le crochet de serrurier. What? T'inquiète, monsieur. Putain, dictateur, faut que j'y aille. On ira après, on ira après. Je me rappelle plus ce qui se passe ici. Il y a un zombie, je crois. Il y a un zombie dans la salle de bain. On dirait que l'eau marche encore. Les toilettes n'ont pas été entretenues depuis des lustres! C'est rempli d'eau sale. Vidé à baignoire? Oui. Mais... Putain, Gilles! Putain, mais ses épaulières, quoi! Ouais. Les toilettes n'ont pas été entretenues. Tu viens de vomir dedans, Gilles! Attends, mais... Ah, je peux en prendre plusieurs. Putain, j'ai fait le con, du coup, tout à l'heure, j'aurais pu prendre le poignard. Bon, bah merci. Il y a une brosse à dents, vous avez vu qu'il y avait une brosse à... Il y a deux brosses à dents! J'avais jamais fait gaffe. Incre. On est où là? Non mais faut que j'y aille, faut que j'y aille. On va avec les chiens. Mais j'ai pas du tout envie, mais faut que j'y aille. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez de... En fait... Il me faudra un coffre, là. Goupette de doc. Mais je pense que je reviendrai là dès qu'il y a un coffre. Mais je me rappelle plus où est-ce qu'il y a des coffres, pour être honnête. Le plus drôle, c'est que j'ai pas l'espace pour prendre le fusil à pompe. Des chevaliers, des statues de bronze. Il n'y a rien d'intéressant ici. Quelque chose a brûlé ici. Une odeur âcre remplit l'air. En vrai, c'est trop chiant parce que il me pas. Enfin. Je sais pas si je peux ne pas prendre le truc et... Je pense que si, je sais pas. J'ai un doute. Ah, c'est bon. Parce que là, il me faut un... Il me faut un coffre. Hein. On est où, putain? Si, là, il y a un... Là, à droite, il y a un coffre. Waouh! Il m'a attaqué par derrière, le petit bâtard! Salaud, tu savais! Ah putain. Il saigne? Okay.
Eh ben... Compliqué, hein. Oh putain, c'est vrai qu'on joue avec une version où on a des trucs en plus du coup. Vas-y, je vais sauvegarder d'abord. Attends, je vais peut-être me soigner. Salut Mystalia, je ne prends jamais les romans sur moi, ça prend un seul pour moi. Mais oui, mais je n'avais pas le choix. T'imagines, c'est la première fois que j'ai un coffre. Mais je suis totalement d'accord, ça ne sert à rien de les avoir sur soi. Attends, non, je vais pas effacer ma sauvegarde, je vais faire ça là. Ouais, alors, donc, c'est bien ce que je dis, il crache à chaque fois. Donc, dès que je sauvegarderai, il y a un crash. Il les garde tout le temps sur lui. Mais c'est pas très grave, les gens. Je sauvegarde pas tant que ça, de toute façon. Je suis pas un sauvegardeur. Moi, dans un Resident Evil, sauvegarder, mais pourquoi faire, en fait? Je veux pas de saucisses, je veux des réponses! Merci, Fogult. It's not a bug, it's a feature. Tout à fait. J'essaierai de solutionner ça après, mais je pense que c'est un message qui ne s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Surmontez vos peurs pour survivre. Merci, jeu vidéo. Donc, on disait... Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'un spray. Honnêtement, je n'ai pas besoin du joyau bleu, je ne crois pas. Je peux me passer du couteau. Je ne l'ai pas utilisé une seule fois. La clé, j'en ai besoin. Alors ça, je vais le palper. La gourde. La gourde n'est pas remplie, je vais donc remplir la gourde. Voilà. Et je vais déposer la gourde. Regardez là-bas. Hop, voilà, on est bien. Maintenant, on va aller chercher notre dû. La poignée de porte va sans doute casser. Je me rappelais pas de ça. Bon bah tant pis. Ça aurait pu me faire peur. Je me rappelais pas du tout de ce gimmick là de la porte. Appel d'Ardekane, tant mieux. Vengeance. Allez, c'est parti. Bam, prendre fusil, oui. Oh, ça a bougé quelque chose. J'espère que ça n'a rien fait. De la poussière qui me tombe dessus. C'est bon. Et j'ai vu suffisamment de films d'aventure pour savoir ce qu'il faut faire. Repartir. La porte ne s'ouvre pas. Ah, alors repartir de l'autre côté. La porte ne s'ouvre pas. Oh God, what did I do now? Wesker! Barry! Help! Jill! You in there? Barry? Get me Barry out of Daddy, here! The door's jammed! Barry! Stand back! Je suis derrière la... Grab my hand! Qui installe ça chez lui? Ça, c'est un truc pour que les enfants ne touchent pas au fusil. Mais c'est vraiment la pire technique. Hein. Barry! Attention! That was a close one. Attention! A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Jill's late! Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? Écoute, je ne suis pas du tout louche. Arrête de poser des questions. I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker. Allez, and Chris. On continue notre mission. Faisons comme si je n'avais rien fait de suspect, thanks, d'accord? Barry. I owe you one. Don't mention it. Comme il peut savoir, il peut tout savoir en vrai. On a dit les yinches.
J'ai peur. Je crois qu'il n'y a pas de chien en vrai. Putain, il y a tellement... Mais comment on fait pour se défendre? Attends, mais comment on fait pour se défendre contre les yinches? Non mais... Avec le couteau, j'ai essayé les gens, ça n'a pas du tout fonctionné. Ils ont juste envie de jouer, c'est juste des petits chiens, vous inquiétez pas. Mais si tu peux... Oh non, j'ai fait le con, j'ai pris un truc en trop. Merde, c'est pas grave, je vais utiliser ça. Putain, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Mais je suis baisé, je peux pas faire plus. Ça, on peut pas le prendre, hein. Il reste encore plein de cœur. Par contre, je vais peut-être prendre ça, que je pourrais mélanger tout à l'heure. Voilà. Je peux pas le tirer dessus. Non. Mais je peux pas faire ce que je veux faire. C'est pas grave. Des ours morts-vivants, il y en a. Il y a quelque chose ici. C'est verrouillé, l'emblème de la famille Spencer gravé sur la poignée de porte. Et là, c'est où? Oh putain de ta mère! Il m'a vraiment fait peur. Mais c'est pas possible, ils vont super vite, non? What? En vrai, je me rends compte que je suis habitué au récent. Ah, il va être juste devant moi? Non, c'est bon. Redonne. Allez, on la refait, mais en bien. J'ai pas vu s'il saignait ou pas. Il saigne. Bad zombie. Ok. Putain, y'a vraiment plein de zombies, hein. C'est trop bizarre parce que j'ai vraiment un... Ah putain, c'est vrai que si je sauvegarde... Ça, c'est trop chiant, par exemple. Alors, on a le désherbant. On a une planteuse rouge. Le fusil à pompe, on va pas l'utiliser tout de suite, je pense. Ça non plus. Ok. Finalement, fallait peut-être choisir la difficulté pour le plus. Non, c'est juste que je suis dans ma tête dans un Resident Evil moderne, alors que non, non. Hop. Voilà. Tac, c'est bon. Hop. Tac. Voilà, je pense que je peux prendre le fusil. Et on peut utiliser ça. Voilà, on est bien. Je pense que je vais sauvegarder. Ça va cracher, je suis désolé. C'est très bizarre que ça crache quand même. Je vais essayer de voir le nom de l'erreur. Le
d'erreur est... Service info 5. C'est très bizarre. Resident Evil, crash, service... Cinq. C'est... Y a pas de... Ça a l'air chiant. Ça a l'air très chiant. On va pas faire ça. C'est tout. Je ne suis pas en hard, je suis en normal. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Resident Evil 1. Donc ça compte si j'ai... comme si j'étais en hard. Je le ferai après la solution pour le prochain live, parce que j'avoue que c'est chiant. Quand même. Après, ça va, on ne regarde pas toutes les deux minutes, mais... Ça va vite devenir relou. Petit conseil du jeu. Vos pires cauchemars, sommeil dans les ténèbres. Ok, Let's go. Mais j'ai pas de problème. Oh, c'est pas grave. Bon. Il y a des zombies en haut. Hein. Oh. Ça, c'est cool. Très bien. Verrouillé, armure, ok. Est-ce qu'il y a un ou deux... J'ai peur... Beaucoup de cadeaux. Beaucoup d'herbes, hein. C'est pareil, je... Pas trop de souvenirs de ça. On va peut-être laisser l'autre. Une cheminée sans feu. Ah putain, c'est vrai, il y a la map. Ah, je me rappelle. Le tableau d'un manoir est achevé. Il ressemble à s'y méprendre à celui dans lequel vous vous trouvez. C'est peut-être lui, hein. C'est rouillé, l'emblème d'un casque. Ah, okay. Hop. Donc je précise que c'est une version upgradée, hein, pour ceux qui voient la version, ils se disent « Ah, il est beau, je me rappelais pas qu'il était aussi beau. » Parce qu'il n'était pas aussi beau. Les graphismes ont clairement été améliorés. Pas de poignée sur la porte, vous ne pouvez pas passer. Vous avez déverrouillé la porte. Oh. Ah, c'est le fameux volet en bois. Ouais. Ouais. What? Un vieux gramophone indite s'intitule Jupiter. Je n'ai aucun souvenir de cet endroit-là. Botanique, de l'usage des plantes médicinales. Comme vous le savez sûrement, machin, oui, c'est les plantes médicinales, la rouge, la verte et la jaune, et on mélange les trois et ça donne des... Ouh ! Briquet, ça c'est vachement bien, on va pouvoir commencer à cramer du zombie. Des livres sur divers peuples, etc. Des livres sur divers peuples. Je crois qu'on n'y est pas encore, hein, le fait d'avoir des... Des... Crimson Head ? Ouais, j'ai rajouté un mode pour qu'il soit plus joli. Un jeu d'échecs en ivoire, la partie de se terminer sur un échec est mort. Il y a un de près là, non? Sifflet pour chien.
Un mémo chiffonné. Aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui apparaît ici, personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache, ce corneau du diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage, à l'ouest de la terrasse, et il devrait appliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait s'approcher de ce maudit Cerbère sans risquer d'y laisser sa peau. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler. Je peux confier cette mission qu'à vous. Bien sûr, vous recevrez une récompense. Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps? En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous en procurer. Nous avons tous les deux y gagné John Tolman. Fuck. Putain de sifflet, quoi. Bon, là... Donc, il y a ça qui est pas loin, mais... Attends, je peux le prendre et le descendre. Parce que je vais pas garder le... Ouais, j'ai trop de trucs, hein. On va faire ça. Désolé, on fait beaucoup d'aller-retour, mais... Si, si, Zetlen, tu peux. Zetylène, pardon. En plus, j'écorche mon pseudo, donc bon. Je pense qu'on aura besoin du truc bientôt. Alors, attendez, on va tester un truc, c'est on va tester la gourdasse. Glace choco caca, non. Quoi? Ah, putain de ta mère, mais ça me fait mal! Mais de où ça me fait mal? C'est tout? Ok. Avouez que c'était pas normal que ça me fasse mal. Bon. Au moins, on a validé que ça marchait. C'est sûr que je reviendrai ici. Bon, allez. Let's go. Continuons notre... Trop près. Oui, oui, mais d'accord, mais... Je trouve ça logique que du feu me fasse mal. Clairement. Mais bon. Du coup... Armure, ok. Ok. Ah, clé épée, ok. Barry, encore ? Putain de merde, Barry, calme-toi. Jill, got any good news? Bah, je... Other than I'm still alive in this madhouse, no. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. Qu'est-ce que t'as trouvé? What? A can of fizz. Une canette. Sure to yellow and mellow those things. Une canette. It's yours. Hopefully you want me donner une canette de Monster Barry. Grenade acide. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. Jim n'aime pas le feu, Jim n'aime pas l'eau. Elle n'aime pas le sable non plus, je crois. Il y a un zombie ici, je vous le rappelle. Voilà. Bonjour, est-ce qu'il y a des zombies? J'en entends un. Oh putain de ta mère, on est là où il y a... Mais j'ai pas envie, le chien ça me fait peur. On sait tous qu'il va y avoir l'écuelle du chien là. C'est ici, non? Ah putain. Ah là là, j'aime pas ça. Je sais plus où c'est.
Eh mais j'ai un fusil à pompe en fait. Un vitrail, motif au sombre, ressent ça, sorcier. Allez hop. Vous avez soufflé dans le sifflet pour rien. Oh putain! Non! Non mais technique ta mère! Oh putain! Mais c'est pas possible! Il est pas mort. Collier, bah super, oui, je prends le collier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce collier de merde? Il y a un bouton appuyé dessus, oui. Une sorte de bijou était caché dans le collier. Un bijou. Putain, c'est le haut de la clef. What the fuck? Le bijou s'est transformé en clef. Une clé, mais elle est pas assez rigide pour être utilisée comme telle. Super. Eh non mais... What quoi? Quand tu vois la différence de direction artistique et de qualité graphique entre l'original 96 et le remake 2002, mais si tu l'as amélioré, c'est assez dingue. Ah oui, oui, oui. Mais là, ce que j'ai amélioré, c'est que c'est plus fin. C'est tout. Je déteste ce truc. Oui. Attendez, je vais reprendre le pistolet parce que je sens que je vais paniquer avec le fusil et je vais faire de la merde. Fils d'une grenouille qui marche dans New York. Je me balade, c'est super chouette, c'est cool. J'ai tout d'un coup très peur. Tous les gens, c'était New York, je vais tous les tuer avec une map, putain! C'est là, je crois. Non. Attendez, je suis paumé. Si c'est là. C'est en haut, attendez deux secondes là. Qu'est-ce qu'ils entendent par Z-Hall? C'est peut-être l'étage du dessus. Ouais. C'est là. Ok. Hop. Donc c'était en haut en fait. Je m'a trompé. Moi, quand je l'avais sur GameCube, les gens, j'étais trop content et je pouvais pas y jouer parce que ça me faisait trop peur. Ok. C'est bien ici. Ok. C'est verrouillé, yes. J'ai eu tellement peur, les gens. Ouh. Ah putain, mais oui. C'est là, je m'en rappelle. Celui qui s'empare de l'emblème trouvera la paix dans la mort.
c'est extrêmement stressant. Alien Isolation, ça va, ça m'a pas fait trop peur. On est bon. Attendez, je regarde ce qu'il y a au fond. Bon, on va pas y aller. On va sauvegarder. Ah mais merde, il y a le zombie. Vous pensez que c'est un méchant zombie? C'est peut-être un très gentil zombie. What, c'était un... C'est un Crimson Head? Il y a des Crimson Head dès maintenant? Ah! Il y a des... Excusez-moi, il y a un petit côté. Ça, il y a beaucoup de zombies ici. Hein. Le pistolet brute. Ce connard est toujours vivant? Je crois qu'il y a un truc de ce. Ah. Cher journal, au secours. Un lit qui a bien servi. Il y a plusieurs types de sérums, la plupart ont une teinte douteuse. Cher journal, tout s'enchaîne trop vite. Je pense que j'aurais jamais dû venir ici. Pour être honnête, je pense que c'était la pire idée. Cher journal, si je sauvegarde... Attendez, je vais faire ça déjà. Voilà. Si je sauvegarde, ça va crash. Que faire? Peut-être ça va pas crash ici. Désolé. Bah, c'est pas les portes fermées parce qu'ils ont réussi à en ouvrir une au tout début, mais c'était la seule qui a réussi à jamais ouvrir. Vous ne mourrez peut-être pas de peur, mais... Bah pour l'instant, oui, on n'est pas mort de peur. On a failli crever 10 000 fois par des chiens, des zombies, des monstres. C'est pas le... Non, il a des crashs des fois... qui n'ont rien à voir. Sur PC, surtout sur les versions récentes de Windows, il peut avoir des crashs, malheureusement. J'ai beaucoup de clés quand même, ça m'emmerde, ça.
comme l'impression qu'il y a un zombie qui va m'arriver dessus, mais... Mais ta mère! Mais non mais... Je savais pas qu'il pouvait faire ça déjà de 1. Et je pensais qu'il était mort cette balle, non? Oh... On sait ce qui va se passer, non? Où là? La porte là, c'est bon. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Putain, mais lui il est toujours là. Non. Je leur fais plus confiance. Attendez. Je vais voir un truc, c'est... Je peux pas, parce que au bout, les escaliers c'est pas là, non. Je vais quand même aller voir au bout. Ok, et là? D'accord. Y'a quoi dans cette pièce de merde? Prendre batterie au lithium. Non. Mais dis donc, c'est quand même une sacrée aventure qui nous arrive, les petits amis. Non. Non. Cette pièce sert un peu à rien en fait. Il reste encore plein de cordes. C'est la deuxième partie du... Ok, d'accord, bon. Ça ne me sert pas à grand-chose, cette pièce. Et là? Je voulais essayer ça. Putain, c'est chaud en vrai. Encore en vie, hein. En plus. Ah, attendez. Journal du gardien. Ce soir, j'ai joué au poker avec Scott, Steve le chercheur et alias le garde. Alias n'est pas un prénom. Steve a beaucoup gagné, mais je pense qu'il a triché lors du... Aujourd'hui... C'est mon anniversaire, trop bien. Aujourd'hui, l'un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un autre monstre qui ressemble à une sorte de gorille dépecé.
Yes. Il m'a dit qu'il fallait le nourrir d'animaux vivants. Lorsque je lui ai jeté un cochon, le monstre a commencé à par jouer avec. Puis il lui a arraché les pattes et les viscères avant de commencer à le dévorer. Vers 5h du matin, Scott est venu me réveiller. Il m'a vraiment fichu la trouille. Il portait une combinaison de protection. Il m'a dit d'en enfiler une aussi. J'ai compris qu'un accident s'était produit dans le labo, sous-sol. Je savais que ça arriverait un jour. Ces imbéciles de chercheurs ne dorment jamais, même pendant les vacances. Je porte cette saleté de combinaison depuis hier. J'ai la peau sale et ça me démange. Les chiens me regardent d'un drôle d'air. Pour leur apprendre, je ne les ai pas nourris aujourd'hui. Bien fait pour eux. Je suis allé à l'infirmerie parce que mon dos était tout gonflé, il me démangeait. Ils m'ont bandé le dos et le docteur m'a dit que je n'avais plus besoin de porter la combinaison. Je n'ai qu'une seule envie, dormir. Ah, je me suis réveillé ce matin, j'ai découvert une autre ampoule à mon pied. J'ai dû traîner du pied en allant au chenil. Les chiens ont été étonnamment calmes toute la journée. Je me suis ensuite aperçu que certains d'entre eux s'étaient enfuis. C'est peut-être leur moyen de se venger après 3 jours de jeûne. Ah, si quelqu'un s'en aperçoit, je vais passer un sale quart d'heure. J'ai entendu dire qu'un chercheur qui avait tenté de s'échapper du complexe s'était tué la nuit dernière. Tout mon corps me brûle et me démange durant la nuit. Lorsque j'ai gratté mon bras enflé, un morceau de chair putréfiée est tombé. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, plus fièvre, mais démangeaison. Hein. Très faim aujourd'hui. Manger nourriture de chien. Gratte-gratte, Scott venu avec sale tête, alors je l'ai tué. Délicieux. Gratte, délicieux. Ok. Des vêtements et divers objets sont éparpillés. Impossible de bouger la porte, quelque chose la coince. Cette étagère est pleine d'alcool fort. Je crois que ça sert à rien cet endroit-là. Hein. Alors, attendez. Hop. Bon, ben voilà. J'ai déverrouillé la porte. Attends, on est où, là? Ok, il reste cette porte-là que je n'ai pas déverrouillée. Ah mais il y a quelqu'un derrière la fenêtre. Mon pauvre bonhomme, vous voulez rentrer peut-être? Quelqu'un est derrière plusieurs fenêtres. Bon. Attendez, on est où là? Ah, c'est là où il faut mettre la... Oh, ok. Regarde, cette pompe à eau est ouverte. Pompez l'eau? Non. Donc ça sert à rien d'aller ici. On va reprendre la batterie au lithium qui est là tout de même. On va peut-être brûler les cadavres en vrai. Je pensais pas qu'il y avait des monstres aussi tôt là. Gourde. Briquet. Alors ce qui est pratique c'est quand il y en a près les uns des autres, mais là... Bon déjà on va commencer par lui. Voilà. Ensuite... Mais c'est quoi le bruit qu'on entend? Il doit être au-dessus, je pense. Hop. Quoi? Parce qu'on va repasser plus d'une fois ici. Il faut mieux les désinfecter un peu.
Ah, il y en a un qui est dans le coin, mais je le vois pas. Oh oui. Bonjour, mon brave. Déjà ? Oh fuck. Excusez-moi. Putain, mais c'est insupportable. Il faut l'activer, mais il veut pas. Ça brûle vraiment bien quand même. Faut le remarquer. On peut déverrouiller les pièces, je suppose. L'emblème d'un casque, ok. Et là, ça doit être l'emblème de la... De je sais pas quoi. C'était un dur à cuire. Bon. Quand même, bravo pour cette blague. Je vais re-remplir mon truc de kérosène. Et ranger. Peut-être me soigner aussi, parce que sinon je vais crever comme un connard. Je sens que ça va arriver. Saviez-vous que les feux des zombies sont responsables de 50% des feux de maison ? J'avoue que les zombies prennent bien, mais la maison pas. Et ça, c'est cool. J'ai rempli ma gourde de kérosène. Et vous ? Avez-vous rempli votre gourde de kérosène ? N'oubliez pas, le kérosène est votre ami. Hop ! Alors, ça s'est rangé. Ça s'est rangé. Et je vais reprendre un mélange d'herbes avec moi en plus. Et me soigner. Voilà. J'essaie de pas sauvegarder parce que sinon ça crache donc. Je joue un peu en hardcore quoi. Alors, on continue notre exploration de ce délicieux manoir. Putain de ta mère, j'avais oublié qu'il était là. Il m'a réellement pris par les couilles de peur. Attendez, mais si je le... Si, il se re-relève ou pas? Il faut que je le crame ou il est mort? Il risque de se relever. Est-ce qu'on passe souvent par ici? Oui, c'est entre deux... Ouais, putain. Fais chier. De mémoire, il est mort défini... Écoutez, on va tester. Il est plus là. C'est bon, il est mort. Ok, en bas. Il y a une porte ici ? Ah, la porte à droite peut-être. Là, là. Je sais pas où aller. C'est peut-être en bas que j'aurais dû aller. Ah, mais il y a une énigme aussi, ici. La fameuse énigme de... Lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destinée s'ouvrira. Ah oui, c'est ça. Putain, j'avais complètement oublié cette affaire. Ok. Il y a l'emblème aussi que je dois prendre. Allez, je vais prendre l'emblème au cas où. Je sais même plus à quoi elle sert. Alors ici, on a ouvert... On vient de déverrouiller cette porte-là. Oh putain. C'est celui de l'intro, non? Il fait semblant d'être mort.
Monsieur, je sais que... Waouh ! Headshot ! Trop bien. En vrai, les headshots sont vraiment plaisants. Alors, ça va en bas. Vous avez utilisé la clé du manoir. Mais la clé du manoir, c'est quoi ? Ah, c'est la clé en forme d'empreinte, mais je ne l'ai pas fait. Il y a quelque chose d'inscrit dans le coin du tableau. En mémoire de l'achèvement de la construction du manoir. Ça, c'est un ruban encreur du cul. Voilà, donc on en a... Non. Comptoir en bois de chêne. Il dégage un parfum très agréable, comme du bon vin. Ok. Un piano à queue luxueux. On peut pas en jouer tant qu'il n'y a pas eu l'énigme. Ça. Prendre partition musicale, oui. Moonlight. Sonate au clair de lune. Ça c'est Doc Knock Poop. Pour toi, Doc Knock Poop. Inutile d'utiliser ceci maintenant. On est sûr? Partition des notes a disparu, nous laissons que le début et la fin de la partition. D'accord. Ok. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Je vais utiliser la clé épée. Vous n'avez plus besoin de cette clé. Oui, merci. Enfin, putain. Je ne sais plus ce qu'il y a ici. Des bruits inquiétants. Des munitions, un couteau. Je vais prendre le couteau. C'est pas le morceau de viande qui m'intéresse. C'est pas du tout, encore une fois, c'est pas le... Genre, il y a clairement un poignard, tu sais. Ah, mais du coup, je peux vraiment les prendre quand je veux, parce qu'en fait, ils sont en équipement alternatif, quoi. Des épices que vous ne connaissez pas. Ça te dérange, La porte est verrouillée depuis l'autre côté. L'alimentation a l'air d'être coupée. Cool. Au revoir, monsieur. Bon, on va regarder dans le gros pot, hein, un morceau de viande d'origine inconnue. Y'a rien ici? Ok. Oh non. Attends, c'est pas le même temps. Non, c'est pas le même temps. Mais c'est juste un vieux zombard. C'est juste un vieux zombard. Genre, pas... What? Pourquoi tu tombes? Mais meuf, c'est juste un vieux zombard. Genre, no joke. Y'a l'autre zombard, c'est ça? Non, même pas. What? Il est grand. Je comprends pas pourquoi elle était paniquée. Genre, il y a des trucs vachement plus flippants dans le jeu, quoi, pour l'instant. Hein? Il y a un ascenseur, vous ne pouvez pas accéder à cet étage. Yes. Alors attendez. Il me faut l'herbicide et il faut qu'on revienne là-haut. Ok, d'accord.
Je vais faire un petit pipi aussi. Mais d'abord... Ok. Alors, dans le jeu original, les gens, il y a plein de trucs qui n'y sont pas. Hein. Parce que cette version-là, c'est la version définitive, quoi, où ils ont ajouté plein de trucs et ça. Alors, hop. Donc déjà, on peut poser ça parce que j'en ai plus besoin. On peut poser ça parce que j'en ai plus besoin. Et on va reprendre ça. C'est tout. Et je vous laisse avec la musique. Très agréable. Je vais faire un petit pipi. A tout de suite. Ça va, vous avez été sage, il y a eu un zombie. Merde, j'avais pas vu qu'elle prend une pause et tout, elle se retourne. Trop rigolo. Est-ce qu'on sauvegarde ou pas? Ça, le crash, ça me saoule en fait. On va la tenter. Et donc, il y a des gens qui font des speedruns, de... notamment dans Resident Evil. Bah, Petri d'ailleurs. Je crois que c'est là-bas. Ouais. Attendez, il y a une zone que j'ai pas vue. Mais what? J'avais pas vu cette zone-là. What? Il y a une inscription. Un tigre rayant d'une lumière bleue et jaune. Ah, c'est là où je dois mettre les gemmes à tous les coups. Ok. J'espère que les zombies ne passeront pas à travers la fenêtre au moment où... Le pire... Ah ouais, tu le mets genre comme as, quoi. Zéro finesse. Rouge ou vert? Rouge. Est déjà en train de pomper. Arrêtez de pomper. Oui. Ah. Masque mortuaire. Oui. Ah, des plantes. Oui. Putain, mais il y en a plein. Merde, j'avais pas vu qu'il y en avait autant. Merde.
Ouais, bah tant pis quoi. Masque mortuaire sans yeux. On peut pas prendre ces... Rien d'inhabituel. Mets-le, mets-le. A plus les gars. Donc il me faut... je pose le masque. Je pose les herbes. Et je prends le joyau bleu. Je vais le faire maintenant, le joyau bleu. Parce... Ah ben, Austin Charleston, je pense que pas grand chose a été nouvelé dans ce manoir. Ce qui est très bizarre, soit dit en passant. Parce que même s'ils ont mis un laboratoire en dessous, c'est pas une raison pour abandonner le manoir comme ça, quoi. Je sais pas. Je trouve que ça manque un petit peu de... Ah, c'est un cadeau direct ? Ah non, c'est un cadeau et après j'en ai un autre. Cool. Comment il sait ? J'ai pris le truc. Comment ça marche? Ça c'est chiant, ça prend vachement de place. Hop, alors attendez. Hein. Bon, on va descendre, je pense. Ah non, c'est la chambre, ça. Merde. Oh putain de merde, il m'a fait peur. Ok. Ici donc. On retourne dans le. Voilà. Maintenant, on peut aller en haut, je pense. Il y avait Armor Key, non? Elle est... Attendez. Ah oui, j'ai supprimé les animations des portes. C'est un des patchs que j'ai mis pour optimiser la vitesse du jeu. Sinon, c'est très long, les gens. Je suis désolé, je l'ai retiré. Ça vous dérange? Désolé, mais c'est vrai que c'est un truc qui est un peu chiant dans le jeu, je trouve. Ouais, je sais, mais... Ah. Cet endroit pue la merde, je sens. Bah, vous avez la collection, hein. Si vous les voulez, elles sont sur Internet, hein. Vous pouvez les voir. Est-ce qu'il y avait des zombies ici ? Richard. Oh putain, j'avais complètement oublié. Merde. What happened? You're wounded. This whole place is a killing zone. Richard, il a vraiment pas l'air adapté à ce manoir. Monsters. Ah bon? What did this to you? A big snake, and it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Serpent, mais où ça? Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks.
Alors les gens, je pense qu'il va mourir. Attends, pourquoi il y a une photo là? C'est là où je dois aller? En vrai, il m'a montré là où je dois aller? Vraie question. Parce que je vois comment y aller en fait. Ok, bah vas-y, let's go. Attendez, je suis au bon endroit ou pas? Oui, si je peux. Les gens qui me disent traîne pas, je traîne pas. Oh fuck. Merde. Alors, j'avais oublié qu'il y avait les zombies. Petit contretemps. De toute façon, il y a 95% de gens qui crèvent. C'est pas grave. C'est là, hein. Et les gens qui... Ils sont stressés par les animations de porc, ça me tue. Putain, mais c'est trop bizarre parce que j'ai vraiment l'impression de connaître le manoir là. Alors que les fois d'avant où j'avais fait le jeu, j'avais l'impression d'aller n'importe où, de faire n'importe quoi. Merde, c'était là-bas, non? Non, c'était là. Je sais plus. Si, c'était là. Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Hang in there. Je sais pas si ça marche. Je sais pas si j'ai déjà fait ça dans une Take fois. It. Does it ever not hurt? Trop bien. C'est la première fois de ma vie que je sauve. Je savais pas qu'on pouvait le sauver. Il m'a donné une radio, ça. Bon, bon, on s'en fout. Cool. Ah, mais là, il y a le zombie, il y a le serpano. Ok. Bon, je vais revenir en arrière parce que je pense qu'il y a une double porte. Je savais pas qu'on pouvait le trouver, Maxime. Non, mais no joke, à chaque fois, je mourrais, quoi. Ah merde. On est obligé de faire ça, ça. Merde, il y a une porte que j'ai pas ouverte. Attendez, hein. Attends, des forêts, machin. Ça et... Ah non, ça. Que des bibelots sans importance. Le petit serpent rigolo, je pense qu'on va pas le faire tout de suite.
me rappelle plus ce qui se passe ici. Il y a des chiens. What, c'est un grenade launcher? C'est qui? Lance-moi. Je savais pas qu'on pouvait l'avoir si tôt. Putain, j'ai cru que c'était le jeu, j'ai pas compris ce qui se passait. Oh putain de cul. Vas-y. Oh! J'ai jamais fait ça, je crois. Bon bah, tant mieux. Je me rappelle pas du tout avoir fait cette zone-là. L'équipe B, on peut en sauver quelques-uns, non? Bah, je suppose que là, c'est par rapport au... Ils disent que c'est par rapport au... Une plante qui a souffert du vent, ok. Que c'est par rapport au putain de faux flingue. Tu sais, faut attendre avant d'avoir le fil à pompe, etc. machin. Mais bon, est-ce qu'on s'en fout un peu? Je pense que oui. Descendre, on va faire la sauvegarde parce que là je pense qu'on va arriver à un boss. J'en suis pas sûr, mais un peu quand même. Ah, bah le manoir est très joli, hein. Question de ça. Ce couloir là pue la merde, par contre, j'avais oublié. On va essayer quand même de... Voilà. Je pense qu'on peut peut-être le faire. Oui, on peut. Ça va. C'est pas le pire couloir, finalement. Rebecca Chambers, elle est avec... Chris, du coup. Alors, ça, on s'en branle. Ça, on s'en branle. Est-ce qu'on aurait besoin du masque? Je sais pas, hein. Je crois pas, hein. Masque, de toute façon, il est dehors, donc t'en fous, non? On va sauvegarder, ça va crasher. J'aurais dû faire une autre sauvegarde, c'est pas... Yes! Le crash. C'est ouf, quand même. En fait, c'est trop bizarre qu'il te laisse sauvegarder et qu'il est en mode « Non, mais ça crash. » Tu vas faire le nouveau Alone in the Dark? Non. On y a joué mercredi. C'était de la merde. Voilà. Achetez-le sur Gasplanet, bien sûr.
Je comprends pas le crash. À mon avis, c'est juste une fenêtre qui doit s'afficher, qui s'affiche pas, je sais pas. No lo comprendo. Ok. Est-ce qu'on a bien besoin du fusil à pompe? Est-ce qu'on a bien besoin du lance-grenade? Alors encore une fois, c'est pas le patch qui fait crasher le jeu, hein, je le rappelle, c'est vraiment juste que des fois, selon le PC que t'as, etc., ça peut crasher. Est-ce qu'on le tue lui? Ouais, non, parce que le problème c'est que je peux le tuer, mais je pourrais pas le faire cramer tout de suite. Et il est pas si chiant. Ouais. Non, je suis gouré de chemin, c'est pas grave. Allons ici. Alors, attendez, il y a quoi déjà ici? Salut Richardo. Oui. Oh putain, putain. Pour moi, c'était là qu'il y avait le serpent. Je sais pas pourquoi j'ai paniqué, les gens. J'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Comment ça, il y avait un bruit de monstre? Il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. C'est vrai ça? Les bougies éteintes. Ah merde, je peux pas allumer la lumière. Oh putain de ta mère! Mec, mais non! Putain, j'étais bloqué! Oh la vache! Je suis sûr qu'il est pas vraiment mort. Il fait semblant de dire qu'il était mort. Le patch que j'ai mis, je vous le dis tout de suite, c'est pas un gros patch. Hein. Il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Mais attends, c'est quoi cet endroit de merde? Voilà. Il va se calmer tout de suite, le pépère. Moi qui vous le dis. Attends, pourquoi il fait trop sombre de quoi, là, en fait? Il y a un interrupteur, quelque part? Je me rappelle pas du tout qu'il y ait des endroits trop sombres. Il fallait le briquet, c'est ça? Mince. Mais de où t'es vivant? Je veux bien un indice, ouais, je m'en rappelle plus du tout. Mais attends, mec... De où il est pas mieux? Il te faut un objet. Mais le briquet? Je pense que c'est le briquet. Je m'en rappelle plus. Ici, c'est quoi? C'est verrouillé. L'emblème d'un bouclier. Allumer bougie. Oui, c'est ça. Hein. Dommage, j'aurais pu le prendre. On va faire l'énigme. Je m'en rappelle plus de l'énigme. Alors...
Malheureux à ceux qui osent trouver mon sommeil. Il y a un bouton appuyé dessus. Non. Il y a un objet dans la cavité, mais il ne veut pas le prendre. Je me rappelle pas ce qu'il faut faire, les remèdes peut-être. Attendez, l'épée. Ah, peut-être qu'il faut les faire dans le désordre, genre pas ceux qui sont face à face. Peut-être. Attends, quelqu'un... Il y a une logique ? Ça, ça avait marché. Peu importe, je vais continuer. Vas-y, on va faire ça. Ok. Ça. Et lui, il va ranger celui de gauche. Voilà. Allez hop. Pas compris pourquoi, mais... Une boîte mystérieuse. Boîte à bijoux. Je parie qu'il y a une clef. Je parie qu'il y a une clef dedans. Je me rappelle plus. Non, pas combiné. Non, mec, devine. Un motif représentant le soleil et la lune sur la plaque, on peut lire. Je m'éveillerai avec la lumière du soleil. Ah. Merde, pour l'instant, c'est pas trop. Ça ne marche pas, bah oui, parce que c'est pas le soleil. Attends, si c'est ça, ça c'est le cœur. Non, voilà. Le soleil. Ça c'est le soleil, hein. Ah, c'est encore un masque. Bah c'est bien, c'est cool hein, mais je pensais que ça allait être une clef. Je suis un peu deg.
On peut descendre à la sauvegarde. Il va y avoir un zombie, mais c'est pas grave. C'est ici, non? Là, en bas? Non, on les a cramés, je crois. Putain, dis-moi qu'on les a cramés. Oui, on les a cramés. Il y a un message? Attendez. Vous avez vu? J'ai laissé des munitions dans la pièce de droite utilisée en cas de coup dur. En cas de coup dur. Putain, mais Barry, mais le best! Eh, Barry, c'est un peu... Enfin, sans Barry, on serait mort, en fait. Barry, c'est notre daddy pour la vie, quoi. Je crois pas que ça... Je peux pas les... Je peux pas les prendre. Ok. On peut poser les masques. Putain, on a tellement d'objets, c'est la merde. Ouais, bon, on va prendre des munitions, là. Grenade incendiaire, je vois pas ce que je peux en faire. Je vais les mettre, mais bon. Bah, j'avoue, ouais, peut-être être dans un manoir avec plein de zombies, ça compte comme un coup dur. Ok. Bah, c'est cool. Je vais poser. Je réfléchissais si je sauvegardais ou pas, mais je pense pas que ça soit une bonne idée. On va poser ça là. Pourquoi je me balade avec autant de... En vrai, fusil à pompe, je vais le poser. Je pense que ça sert à rien d'avoir 1000 trucs, quoi, je sais pas. Après, peut-être... Ouais, en même temps, j'aime bien. Et, attendez, est-ce que j'ai des trucs pour brûler les zombies ou pas? Ouais. Ok, bon, bah, let's go. Alors, ici, ça va péter, non? La poignée de porte va sans doute casser. Ouvrir quand même, oui. Oh putain de ta mère! Alors, au secours. Il est pas mort? Si, il est mort. Ah oui, c'est la famille Spencer, je suis con. Je croyais que c'était bon, en fait, mais non. Ici, non? Yes. Et là, il y a quoi? Oh, c'est pas là où il y a les... Putain, si, c'est là où il y a les hunters, non? Mais... Je panique avec les chiens, c'est ouf. Ah, il va falloir que je les tue, c'est tout, mais... Mais dis donc, c'est quand même une sacrée aventure qui nous arrive, les petits amis. Et bienvenue dans ce live où on tue des chiens. Il y a quelque chose inscrit. Le profanateur de cercueil maudit. Ah, non. D'accord, on peut passer là quand on aura ouvert le cercueil de l'autre. Ok. Bah allons ici alors. J'ai rechargé ? Oh, putain, c'est... Je crois que ici il y a le truc du des corbeaux là.
Ouais, alors, je me rappelle plus du tout ce qu'il faut faire, donc je reviendrai là quand je saurai, quoi. Ici, on a fait toutes les pièces. Ouais. Mon inventaire est pas... Ouais, bah, je peux mettre de côté le fusil à pompe, hein, parce qu'il me sert. Il est vide, j'ai plus de... Je sais où trouver des balles, mais bon... Là, il... Hop. Et du coup, je vais prendre les grenades... Va pour les grenades incendiaires. Qu'on n'a pas exploré. C'est bon! Ah, ça c'est cool. On a une pièce en. Daniel? Pourquoi ça fait si peur? Daniel, qu'est-ce qui. Qu'as-tu fait, Daniel? Pourquoi ça fait peur? Grande érafleur dans le mur. Ça ne semble pas être l'œuvre de ces créatures putréfiées. C'est inquiétant. Trousse au premier secours, trop bien. Ceci dit... C'est... Ah, mais c'est là-dedans et il y a un truc, c'est ça? Non? Je sais plus comment ça marche. Faut pas l'ouvrir? Le fait qu'elle retire le bouchon me stresse. Hein. Il n'y a rien dans les tiroirs de l'étagère, ok. Ces empreintes de pas semblent traverser le lit. Il y a du Ink Ribbon, ok. C'est jaune? Ah non. C'est tout? Dès que quelqu'un a pris quelque chose avant de partir en hâte. Barry? Qu'est-ce qu'il fout là? What? Jill. Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Des papillons partout. Anyway, you should read this. Testament du chercheur. Une lettre a été glissée à l'intérieur. Le haut a été déchiré. Le reste de la lettre est encore lisible. Alma, je n'ai tenté de survivre que dans l'espoir de te revoir heureusement. Malheureusement, pardon. Mes efforts ne peuvent pas ne font que retarder l'inéluctable, pardon. Je suis contaminé. Je n'ai aucune chance d'échapper à mon sort. Je n'ai d'autre choix que de monter la vie avant de perdre ce qui me sépare de ces monstres. Je t'envoie tout mon amour. Dans une heure, j'aurai refermé les yeux à jamais et je connaîtrai enfin la paix. J'espère que tu commanderas mon geste. Je suis désolé, Martin. Krakorn. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Putain, les bulles, elles font max de bruit. Hein. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part, and somebody didn't want anyone to see it. Comment tu fais? Let's continue. Pourquoi vous tenez à quatre mains? C'était trop chiant, ça. Il y a une grosse abeille brillante derrière moi. Une mallette ouverte avait plein de rapports biologiques. Le récipient est rempli d'insectes morts. Il y a un cerveau là. Il y a juste un cerveau. Non, attends. Pourquoi je prendrais ça? Ah, mais il y a plein de trucs à prendre, c'est ça? Prends un hameçon, oui. Ah, d'accord.
D'après l'odeur, ça devrait un peu élever, peut-être, sans servir un ton pour élever deux sortes de crédits. Ok, d'accord, il y a plein de trucs à faire. Je vais déposer ce que j'ai. Un petit zombie ? J'avoue que le côté inventaire, c'est un petit peu relou quand même. Ok, donc je vais poser ça. Poser ça. Poser ça. Alors, on devrait avoir assez pour tout le reste. Les jeux vidéo, c'était mieux. Bah après, je comprends, il y a une vraie question de gestion de l'inventaire qui rajoute une tension, et ça veut dire que t'as jamais vraiment toujours ce qu'il te faut et tout. Ça, j'aime bien. Hein. C'est vrai que des fois, c'est un peu chiant. Dans l'heure de pêche, ok. L'heure d'abeille. Il y a un bouton en dessous, appuyez dessus. Attendez. Voilà. Je sais pas si je fais de la merde. Attendez. Qu'il faut faire. Ouais, il faut mettre la vraie abeille, je pense. Voilà. Non. Je suis perdu. C'est peut-être l'eau. Ah, c'est peut-être sur l'autre truc qu'il faut la mettre. Non, elle était déjà là. Hein. Oui, non, c'est ça, c'est l'inverse. Excusez-moi, je peux... La codéine. Ah, c'est ça. C'est bon. Voilà. Quoi ? Ouf, fat. Mais attends, quoi ? Je lui ai tiré une balle dans la gueule et elle... Il faut deux balles pour tuer une abeille. Symbole du vent. Eh mais j'ai aucun souvenir de ça. Je n'ai aucun souvenir de ça. Je vais aller dans l'autre pièce récupérer les trucs que j'avais pas pris. Parce que c'était un peu con. Pourquoi vous êtes sous codéine depuis 2 semaines? Alors ça fait pas 2 semaines, ça fait 1 semaine. Enfin même pas en fait. D'ailleurs. C'est trop, je me justifie. Non, mais ça fait pas 1 semaine. Parce qu'en fait j'ai une douleur à l'épaule. Et hop. Et du coup mon traitement c'est des anti-inflammatoires et ça. Et donc du coup bah, là j'ai suivi les indications du médecin notamment pendant 1 semaine. Mais là je pense que je n'ai plus besoin de la codéine personnellement. Et j'avoue que ça me met un peu KO, donc bah, je vais arrêter de l'utiliser. Par contre les anti-inflammatoires j'ai continué. Voilà. Et j'ai presque plus mal à l'épaule. C'est Maxime, ça fait 6 mois que t'en prends à chaque live. Ça rajoute de l'immersion, dit Power Love. C'est la codéine qui rajoute de l'immersion. Sans la codéine, mes lives seraient plus aussi bons. Vous le savez aussi bien que moi.
Tout le monde vient ici pour la codéine. On le sait tous, c'est bon. Faites pas genre. Vous savez que sans la codéine, je ne suis rien, d'accord? Je le sais aussi bien que vous. Alors arrêtez et passons un bon moment. Avec la codéine. Powerlove, tu viens littéralement de dire ça ajoute de l'immersion, je trouve. Je me souviens. La codéine, ça me rend malade. Et Vilox, faut manger en même temps. Oh putain, ça vient de cracher, incroyable. Non, ouais, il faut manger en même temps. Mais après, prenez pas de la codéine, en fait. Enfin, sauf si un médecin vous dit de prendre de la codéine, quoi. Mais genre, c'est pas terrible. En fait, le problème, c'est... Si vous dépassez une semaine, vous pouvez avoir des... Une addiction... Enfin, une... Des... Un manque si vous arrêtez, quoi. Donc bon, voilà, c'est... On arrête là. Power Love rajoute. Bah oui, la codéine, clairement, rajoute de l'immersion. Voilà, vous voyez ? Dépendance, merci. La dernière fois, ça m'a zombifié. Bah, franchement, c'est un peu ça. Même en mangeant, j'étais pour Baba et Vilox. Après, j'ai envie de dire... Tant mieux. Enfin, tant mieux. Non, mais... voilà, quoi. Vous ne mourrez peut-être pas de peur, mais vous mourrez de la colline. On repose ça. Ah, cette musique est tellement agréable, n'empêche. Attendez, il me faut le bout d'emblème, là. Attendez, il me faut le briquet et le wood machin ou double pack en bois. C'est tout, non? Attends, ils me disent d'utiliser un truc, mais... Attendez, on va tester un truc. Ça me stresse. Ils me disent de tester un truc, mais bon, on va tester. Parce qu'il y avait bien un feu, non? Là-bas. Cheminée sans feu. Carte manoir, voilà, c'est bien ce que je pensais. Et ça, c'est quoi? C'est verrouillé. L'emblème d'un casque, ok, d'accord. Bon, ça, c'est fait. Vas-y, reprends ça, je passerai le plan, je le poserai, ça sera fait. +25 maximum, tu sais quoi faire parce que. Du coup, en vrai, Jex m'a confirmé un truc. Hier, pendant qu'on jouait à... Après qu'on ait joué à Dragon's Dogma, en relançant... En arrivant au menu général, j'ai vu qu'il y avait deux options pour charger sa partie. Et je trouvais ça vraiment chelou, parce que, bah... Enfin... C'est étonnant qu'il y ait deux options, quoi. Et en fait, il y a une des options, c'est pour vous ramener à la dernière auberge où vous avez signé, sauvegardé. Ah merde, je peux pas passer. Fuck. Et je trouve ça tellement chiant. Ça veut dire que tu peux perdre tellement de temps. Vous imaginez si vous n'êtes pas revenu à une auberge depuis X heures de jeu. C'est ce qui est arrivé à Jacques en plus.
Ok, donc là on peut aller. Déjà. Hop. On va mettre le masque. Ça me fait rire parce qu'on voit les masques du décor 2D et 3D, c'est assez marrant. Alors, il a pas de... Il est celui. Il y a des trous à passer les yeux. Oh, putain de ta mère. Ok, d'accord. Bah, je sais pas si c'est fait pour frustrer, mais clair. Ah, c'est vrai qu'il y a des munitions de fusil à pompe ici, c'est. Vas-y, je vais prendre. Ça pourrait être utile, on ne sait jamais. Hop. Du coup, maintenant. Là où il faut la lumière. Mais ouais, pour Dragon's Dogma 2, j'aimerais vraiment bien l'aimer, mais il y a trop de trucs que je trouve vraiment turbo chiant, quoi. J'ai du mal à passer outre. Tant mieux si vous y arrivez, hein, mais moi, c'est vrai que non, c'est... Genre, elle est là? Je savais pas. Incre. Ah, mais c'est déjà poussé la truc en fait. Je crois que. C'est pas le même endroit? C'est... Putain, en trade live, dis pas ça. Après Games Planet, ils vont me punir. Games Planet, si je vends pas. Putain, déjà qu'il y a. Defcon dans le chat qui a pas acheté le jeu avec Gaslight, j'ai peut-être finir en tôle. Hein. Vous savez, ça va très vite avec Gaslight. Ils m'ont déjà bien fait comprendre que là, il y a des chances qu'ils viennent me péter les jambes, quoi. Faites attention à vos streamers. Allez, hop, on va jouer au piano. Attendez, le piano il est... Il est en bas... Je crois que... Alors le problème, c'est pas Monsieur Games Planet, c'est le fait qu'ils sont 35. Games Planet, c'est une énorme équipe, en fait. Et ils m'ont dit, non mais Maxime, on va te soulever et on va te détruire. J'ai fait, non mais les mecs, on peut peut-être s'arranger et tout. Ils ont fait, non, qu'on soit bien clair, Maxime. Là, tu es en train de vivre tes derniers moments, tes derniers instants. À moins que tu vendes 55 copies. De jeu. Donc voilà, je vous invite vraiment à acheter l'édition collector de tous les jeux qui existent en fait. C'était ça, hein, c'était note manquante ou... Attendez, ça c'est peut-être autre. Ah, merde, je suis en attention. Pourquoi? Est-ce que c'est bon? Je peux jouer?
partition complète de la sonate au quart de lune. Ok. En vrai, c'est un masque. Mais pourquoi ? Il va juste se faire tuer. Vous êtes fous. C'est un masque qui n'est pas du tout violent. Si je devais envoyer quelqu'un pour tuer quelqu'un d'autre, j'enverrais Zach. Pourquoi c'est un Mascox ? Zach, il peut tuer quelqu'un. Ça, j'en suis sûr. Je pense qu'il l'a déjà fait. Oui, Nécour. Ouais, Nécour, elle pourrait tuer quelqu'un, c'est sûr. Elle l'a certainement déjà fait aussi. Que c'est le Drunken Master, on est pas comme ça, mais c'est intéressant. Mais il est pas du tout violent, même s'il est en Drunken Master. C'est... Il est adorable, Mascox. Alors attendez, je n'ai aucune idée d'où est le piano. Ah si, ça y est, je me rappelle. Ok, d'accord. Je suis pas du tout au bon endroit. C'est pas grave. On va pas se faire choper. Je l'ai dit, on va pas se faire choper. Voilà, et il est à gauche. Là-bas. Putain, seulement il y avait Deck Nook Poop pour nous dire c'est quelle musique. Lui, il saurait. Lui, il saurait me dire. Gobelin D1, il... Non, mais non, les gens. Il faut que ça soit Doc Nook Poop qui me dise. Il n'y a que lui que... Ok, je fais confiance. Tous les autres sont des menteurs, des salauds. Pataclap, 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 je suis un petit cheval. Merci beaucoup, Shenlong. Il y a un piège à con ici, je sais plus. Journal de Trevor. 11 jours se sont écoulés depuis mon arrivée au manoir. Que m'est-il arrivé ? Un type vêtu d'une blouse blanche m'a apporté un maigre repas en me disant « Désolé de vous faire subir tout ça, mais c'est pour raison de sécurité. » C'est à ce moment-là que j'ai compris. Tout est clair maintenant. Nous ne sommes que deux à connaître le secret de ce manoir. Sir Spencer et moi-même. S'il me tue, Sir Spencer sera le seul à connaître le secret. Mais pourquoi ? Ah, ça n'a plus d'importance maintenant. Cet endroit est trop dangereux. Ma famille... J'espère qu'elle va bien. J'ai décidé de m'enfuir. Jessica, Lisa, j'espère de tout mon cœur que vous êtes en sécurité. Comment ai-je pu me montrer aussi bête ? J'ai perdu mon briquet préféré, celui que Jessica m'avait offert pour mon anniversaire. Ah, maintenant, je vais avoir encore plus de mal à sortir de cet endroit maudit. Le 13 novembre, le jour où tout s'est joué pour moi. Ma tante avait été hospitalisée 3 jours avant. Jessica et Lisa ont dit qu'elles allaient lui rendre visite. Ah, j'aimerais tant être avec elle. Attendez ! À mesure que j'écris, la mémoire me revient plus précisément juste avant de m'évanouir. Je me rappelle avoir entendu les hommes en blouse blanche dire quelque chose comme « Votre famille est probablement déjà... » Oh, je prie pour qu'elle soit saine et sauve. J'ai, par miracle, réussi à sortir de cette pièce, mais ça ne va pas être facile de m'enfuir du manoir. Je vais devoir m'échapper à toutes leurs pièces. L'œil du tigre, l'emblème doré, je dois me rappeler pour ne pas périr. Alors, je crois qu'ici, il faut l'emblème doré, sinon je suis enfermé comme un connard. Enfin, l'emblème en bois, j'entends. Je sais pas. D'ailleurs, savais-tu que le titre sonate au clair de lune n'est pas de Beethoven ? C'est un poète. Oh fuck, attendez, je crois que c'est la merde. Ils peuvent ouvrir la porte ? Non. Normalement, non, bah on va tester. Hein. Oh putain, il est tout près lui. Waouh! 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 Putain, tout ça parce que j'ai oublié l'emblème. Ça y est.
voulait une balade de clarinet alors que Beethoven imaginait une procession funéraire. Voilà, d'accord. Bon, je précise hein, que Doc Nukpoop raconte n'importe quoi. Ne l'écoutez pas. Il est musico-mythomane. Il invente tout à propos de la musique. À chaque fois, il dit qu'il reconnaît la musique, c'est de la merde. Genre 95% du temps, c'est faux. Après, j'ai été chez lui. Chez lui, il y a une pièce entière dédiée à Jules. Vous verrez, des fois, il parle de son enfant. En fait, quand il parle de son enfant, il parle de la collection, enfin d'un vinyle qu'il a de Jules qui est dédicacé. C'est ça son enfant. C'est Dr. Cool. Non, il est vraiment. Il a des problèmes hein, par rapport à ça. Mais bon, je peux pas tout dire. Il m'a fait signer des contrats et tout. J'ai pas le droit de révéler tout sur lui. La porte s'est ouverte, non ? Ah mais il n'y a aucun mal à aimer Jules, hein, clairement. Et Doc Nukpoop nous l'a prouvé plus d'une fois. Lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destinée s'ouvrira. C'est vrai que vous pouvez actionner les engrenages de l'horloge. Ça y est. Le petit. Attendez, je sais pas où est le petit. Droite ? Gauche ? Mais attendez, c'est le grand ça. Ah d'accord, c'est les engrenages. Grand. Ok, oui. Grand. La clé du manoir, c'est la clé du casque. Du bouclier. Ok. Attendez, j'ai pas pris... Ouais, c'est pas grave. J'ai dû ancrer bonne sur moi, mais écoutez. Alors, on peut aller dans le main hall, on peut aller dans la statue. Je peux pas ouvrir ici au cas où. C'est ouf parce que je me rends compte que je mélange un peu tous les raisins de télé. Il y a un truc qui a couru là. Ah putain! Ah le petit bâtard! La vache! Oh non, je suis là où il y a les yinches. Attendez, on peut prendre le couteau du coup. Run. Pourquoi il y a des bruits de porte là ? Ça va, ça va, c'est des zombies. Oh putain de ta mère. Oh la vache.
Ouah ! Comment ? Attends, mais comment ? Mais on est d'accord, ils ont passé la porte là. Vous m'avez dit qu'ils pouvaient pas, bande de petits bâtards. T'inquiète pas, Marcosim, ils ne peuvent pas en fait. Oups, en fait, ils peuvent. Putain, les corbeaux, je m'en rappelle plus. Image d'un héros portant un sorti d'un vitrail jaune. Il y a un bouton appuyé dessus. Portant un collier de vitrail rouge. Mais il est rouge. Écarlate. Couleur d'origine. Jaune, couleur orange. Oh putain, ils vont me tuer. Ok. Ah. Ouais. Porte un collier, viens, écarlate. Blanc, je sais plus. Non, non, ça, ça va pas ça. Oh, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Voilà. C'est le combat contre Vulcan Raven. Lisa protégée par les trois esprits. C'est bon. On a bien les bonnes couleurs. Oh, il y a un masque. Je sais pas si j'ai assez sur moi, mais... Mais attendez, c'est trop bizarre, j'ai déjà... Ah, trop bien, on a gagné un raccourci de ouf. Ah putain, puis je peux aller mettre directement le masque. Trop bien. Alors, c'est quel masque qu'on a ? Masque monstrueur sans bouche. Mais je sais pas déjà ? Inutile d'utiliser ceci maintenant, bah je... Wow ! Mais c'est du sang qui coule ! Y'a quoi dedans ? Une bonne diarrhée. Un homme du pilier ? Ça sonne trop expression québécoise que personne ne connaît. C'est un homme du pilier. Par chez nous, c'est ce qu'on appelle un homme du pilier. C'est des hommes qui sont incapables de se tenir debout. Les fameux hommes du pilier. Mais nique ta mère, je t'ai déjà tué. Mais attends, pourquoi t'es pas mort ? Mais je peux pas te retuer. Et ce couloir pue la merde, hein. Je tiens à le dire quand même. Voilà. Non, mais je te laisse vivant, monsieur. Ok, on va peut-être sauvegarder en vrai.
Attendez, déjà je vais me soigner. Parce que j'ai plein de plantes vertes. Et je m'en suis pas encore mis une dans le cul. Ah mais c'est vrai que j'ai le... Je vais déjà... Voilà, on va sauvegarder. Et je crois qu'il y a un bouclier en haut. Pas sûr, mais... Un petit crash, les gens ? Je vous sers ça tout de suite. C'est quand même bizarre. Les gens, j'ai trop hâte d'être dans une semaine et deux jours et de pouvoir vous parler de... un petit peu la grosse annonce. Tu vas finir le jeu ce soir ? Non, non. Non, non, non. Non, je joue encore un petit peu là. Ah merde, j'ai envie de pipi. Ben, je vous laisse... Je vous laisse dans la salle de sauvegarde, d'accord ? Attendez, comment ça, sauvegarde réussie de quoi ? J'adorerais vous dire ce que c'est, mais je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je peux vous la faire... on va la faire en avril. En avril, vous allez tout comprendre. A tout de suite. Je vous laisse Gilles en... Ah merde, je peux pas la mettre en gros plan. Voilà. Gilles, à tout de suite. Attaqué par ça. C'est une sorte de super zombie. Je pense. Regardez. Elle est pleine de haine et de rage. J'ai réussi à vous sauver. Heureusement. Bon, on continue un petit peu. On arrête dans une vingtaine de minutes. Alors, en haut. J'ai sauvegardé, hein. Ah oui, non, attendez. Voilà. Hop. Et on va voir Richardo. C'est là où il y avait la... Mais du coup, là, c'est le boss. Je sais pas. Je pense, hein. Vous pouvez me remplacer par Moon, mais bon.
Ah merde, j'ai pas pris les... J'ai pas pris les... munitions, attendez. J'ai été con. C'est là. Bah c'est bien de terminer sur le boss, non? Enfin, si tant est que je le batte, mais... Moon sous codéine. Ouais, un peu... Les chats, ils sont un peu tout le temps sous codéine, non? Maxime, l'annonce, rassure-moi, tu vas pas la faire le premier. Non, justement, c'est marrant parce qu'on en a parlé avec le partenaire de cette annonce et en disant non, on fera pas le premier. Le premier, il y aura une vidéo par contre. La fameuse vidéo du 1er avril qu'on fait un peu tous les ans. Bon, Richard, sa biche, tu m'as dit que t'as vu un petit serpent rigolo. On va aller le voir. Attendez, est-ce que j'ai des munitions Comment on fait pour changer les munitions? Ah, j'ai retiré l'équipement. Oh. Ah, elle sert que là? Je crois qu'il y avait un autre truc, mais bon. Bonjour. Mission de fusil, ok, sympa. Ah! Oh putain, il est énorme! Putain, j'avais oublié qu'il était si gros! Elle a pas l'air si impressionnée que ça, hein, Agile. Hein. Elle est en mode, oui, bon, c'est un gros serpent, quoi. Payback time! Richard Aldana, je suis désolé, mais tu vas crever en vrai. Ah, mais il est en deux. Thanks. Ah putain, il nous aide ça. Oh, putain, il est encore vivant. Mais mec, t'es cool. Là, on peut être largement l'éviter. Richard! C'est trop bien, je savais pas qu'il y avait ça. Du coup, comme j'ai jamais sauvé. Trop drôle. Merde. Ça va? T'as pas l'air bien, pépère. Oh fuck. Il a pas l'air bien, hein, je tiens à le dire quand même. Ok. Fusil d'assaut. Ah bah oui, je prends, oui. C'est tout? Ah, il est tout nul, le serpent, en fait. Le masque s'en met. Il y a des tonneaux de vin. C'est tout? Ah, on peut éviter le combat de ce que je lis. Attendez, on va... Finauder. Voilà. Ah mais je les connais. Ben on peut aller sauvegarder, on a fini hein, les gens cette partie là. Mais je pensais que ça serait plus long le boss, pour le coup. On a tous les masques hein, ceci dit, on peut peut-être faire les masques. On fait les masques d'abord.
On peut pas vider les munitions de ça? Non, je pense pas. On va poser ça. Poser ça. Prendre l'autre masque. Je suppose qu'il faut les examiner, ok. Ceci dit, si on libère le monstre, c'est un peu con de pas prendre. Ah putain. Allez. Mask Him. C'est pas un pseudo, c'est un prénom. Alors, je vais remonter, redescendre. Ouais. C'est vrai qu'en parlant de masque, il y a les mémoires du mythe, je le rappelle, tous les mardis. Tout simplement le meilleur podcast JDR existant. Du monde. Pour ceux qui parlent français. Et c'est vrai que sur le Tipeee, il y a déjà la fin de la saison. En entier, de la saison 3. La saison 4 ne sera pas avant un petit temps parce qu'il faut que je la monte. Moi tout seul. Mais voilà. Mais je dirais. Juin. Yes. C'est le but en tout cas. Il y a quoi dedans? Je me rappelle pas du tout. Oh. Oh! Oh, da! Oh, da! Oh putain, what? Wow! Non! Attendez, je peux pas échanger mes munitions là? Putain, le cauchemar! Il y a un bouton à appuyer dessus. Il y a quelque chose à l'intérieur. Objet en métal et en pierre! J'aime bien quoi. Ça, c'est drôle. Œil pour œil, dent pour dent. D'accord. Un emblème est gravé sur l'objet octogonal. Voilà quoi. Moi il a l'air dead hein. Il n'y a rien d'autre ouais. Bon. Ça va. Bon bah maintenant on peut activer On a fini la grosse partie, hein, quoi. Ah, le RE1 de PS1, il manque la moitié du jeu, donc ouais. Putain, ça va être toujours l'autre. Attendez, je peux peut-être lui exploser la tête, si c'est... Ah, c'est pas la tête. Mais...
peut-être que ça suffira. Donc maintenant, on a activé la deuxième partie. Et avant, on fera un petit tour du manoir pour récupérer des trucs, etc. Parce que là, à partir de maintenant, il peut y avoir nos amis les Hunters. Tac. Il va falloir cramer aussi tous les cadavres qu'on a, je pense. Une dernière sauvegarde crash. Ouais non, pas les hunters comme Oli. Hein. Les hunters verts avec des grosses griffes qui peuvent te décapiter en un coup. Eh ben c'était très cool. C'est marrant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que je vais oublier. Et en même temps, ça m'a permis de voir des trucs que j'aurais pas vu autrement. Je pense que le fait de sauver Richard, je savais même pas que c'était possible. Je pense, enfin, on l'a sauvé et puis il est mort. Mais ça reste sauver quelqu'un quand même. Un petit peu. D'une certaine manière, je veux dire. Voilà. Je vous rappelle qu'il reste jusqu'à la fin du mois pour participer à l'offre spéciale Delta Green. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine, en gros, et que on est à 238 € du troisième palier qui vous permet d'avoir un troisième actuel play Delta Green exclusif. Donc, n'hésitez pas. N'oubliez pas que cette semaine, il y a plein de gros lives. Lundi, Globiciné. Mercredi, live ésotérique avec CC Trouille. Alors, je voulais avoir le costume d'Ortigan, je ne l'aurai pas, donc je vais voir, je vais bidouiller quelque chose. Voilà. Vendredi soir, c'est live Delta Green avec Dikipi, Mamax de Thune et Émilie Devers dans le nez. Samedi, c'est... Je sais plus ce que c'est samedi. Je crois que... Non, il n'y a rien samedi parce que oui, je fais un enregistrement. Donc, samedi, c'est rien. Et dimanche, on continue Resident Evil 1 avec grand plaisir. Voilà, donc plein de lives. Un live tous les deux jours, tout simplement. Sur ce, bisous, bisous. Bisous partout. Faites de... non, t'es pas banni. Je sais pas quoi. Pourquoi tu serais banni? Faites de beaux rêves et à bientôt YouTube. Ciao. Je cherche le générique, c'est bon.